Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end puisqu'on est dimanche 22 septembre et que je déroge à ma règle qui dit que je ne fais pas de tirage le dimanche. Mais comme c'est mon anniversaire, eh bien je fais une exception. Puis ça tombe bien, c'est un dimanche, donc je vais pouvoir vous faire le tirage de la semaine. Merci beaucoup, beaucoup pour tous vos gentils messages pour mon anniversaire, quoi, pour me souhaiter mon anniversaire. Comme ça, tout le monde sait que j'ai un an de plus. Voilà. Merci beaucoup, c'était très très gentil. Et puis donc encore une fois, eh bien pour vous récompenser de votre gentillesse, et puis parce que c'est mon anniversaire, je vous fais un tirage en plus. Et donc je vais tenter ma chance en essayant de voir si j'arrive à vous sortir ce qui peut arriver la semaine prochaine. Alors on va prendre le France Actu, je vais prendre mon oracle, et puis le symbolon, mon oracle que vous commencez à bien connaître, hein. En attendant de découvrir le prochain. Alors, je me concentre. La semaine prochaine en France. Ok, qu'est-ce qu'on a? Des sanctions. Ah ben, ça commence bien. Alors, les USA. Alors, je sais pas pourquoi j'ai les USA qui sortent, moi. Bon, ok. On va voir. Des sanctions en relation avec les USA ou pour les USA. Je sais pas. Bon, ok. Alors, ça m'embête d'avoir des cartes de pays. Hein. Ça, c'est comme ça. Je vais faire en 9. Hein. Alors, la France, la semaine du 23, vous voyez bien. Ouais, je fais toujours gaffe, normalement, que vous puissiez bien voir les cartes. Je trouve que c'est plus agréable de les avoir en face que de côté. Hein. Enfin, je trouve personnellement que c'est mieux. La France, la semaine prochaine. Bon, ok. Donc, ça, c'est bon. On va découvrir tout de suite. Alors, j'ai quoi? La République. Non, pardon, excusez-moi. Oh là là, non, non, la Révolution, pas la République. La Révolution. Bon, ok, la Révolution. Là, on a le bureau de l'Élysée. D'accord. Je rigole parce que... et là, j'ai la Chine. Je rigole parce que j'étais en train de penser à l'autre qui disait qu'il vient de me chercher. Alors, je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à ça. Mais il y a la Chine, là. Il y a la Chine. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Bon, vous allez dire, bah oui, m'a dit, c'est la dictate. Oui, ça, c'est bien possible. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ben oui, les Satanas. Ben, elles ne sont pas très loin du bureau de l'Elysée, d'ailleurs. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ici, on a l'escroquerie. L'évasion fiscale. Oh, comme ça sort bien. Ouais. Et là, la propriété privée. D'accord. Vous voyez les cartes en même temps. Hein. Oui, ben, il n'y a plus de sous. Évasion fiscale, ça, alors, je crois qu'on est tous et toutes d'accord sur le sujet. Les sous-sous dans la popoche. Mais pas dans la nôtre. Alors, sondage popularité. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, armée. Ah, je n'ai pas fait exprès. Non, je n'ai pas fait exprès. J'ai l'armée. Bon. Et là, bah, quelqu'un que vous connaissez bien. Oh, bah oui. Oui, je ne vous ai pas fait de vidéo sur Natacha et Amandine. J'étais tellement dégoûtée. Mais d'un autre côté, on ne pouvait rien en attendre d'autre de ce procès. Moi, ça fait de la peine pour ces deux personnes, hein. Parce qu'il y a quand même des coûts financiers. Mais c'était malheureusement prévisible. En tout cas, ici, vous voyez une personne, Mimi. Ok, alors qu'est-ce que ça m'inspire? Plein de choses. Si on regarde en diagonale, on a les Français qui en ont marre. Là, la révolution, bon. Les Français qui en ont ras le pompon, d'ailleurs, qui pensent éventuellement à faire la révolution pour déloger celui-là, là, qui est toujours là, hein. Le foutage de gueule, hein, c'est qu'à le dire. Il faut le dire, voilà. Parfois, il faut dire les choses. Ces élections, c'était du foutage de gueule. On prend les mêmes et on recommence. Bon. Ouais, on va peut-être recouvrir un peu. Oui, donc ça, c'est la dictate. L'évasion fiscale, vous remarquerez que c'est sorti juste à côté de ces deux cartes-là. Hein, les Satanas, ici. Donc, eux, ils s'en sont mis plein les poches. Propriété privée, on peut partir du principe aussi qu'ils ont dû éventuellement s'acheter des choses immobilières, voyez, avec l'évasion fiscale qui est vraiment sortie en plein milieu, je ne veux pas dire, mais enfin, c'est quand même amusant. Donc, ça veut dire qu'il y a des histoires de sous, énormément de sous, l'année prochaine. la semaine prochaine, excusez-moi. Bon, je suis partie, là. Alors, j'ai quand même l'armée, là. Bien, il va falloir aller recouvrir. Ah, ouais, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent, qui ne sont pas forcément liées entre elles. Hein.
Et là, j'ai les histoires de popularité. Ce qui est fou, c'est quand même que j'ai sorti l'armée, moi. Alors, je vous ai toujours dit que la période septembre, octobre, novembre, c'était une période à haut risque, hein, ça, je vous l'ai dit. Hein. Vous vous rappellerez certainement. Parce que j'ai des aspects astro. Alors, évidemment, les astrologues ne travaillent pas avec Chronos Hadès. Moi, je le fais depuis des années. Et il y a Mars qui vient se rajouter. Alors, quand on a du Mars Chronos Hadès, on va avoir chaud au niveau militaire. C'est pour ça que je ne suis pas étonnée de l'escalade actuelle. Maintenant, il ne faudrait pas que ça explose, quoi, vous voyez? Bon, reprenons. Alors, je sais que c'est des grandes cartes, que ça va être un petit peu compliqué pour vous de voir. Donc, je vais peut-être les mettre en dessous et je vais rajouter tout de suite une carte là. Et puis, je verrai pour les autres. Qu'est-ce qu'on a sur la Révolution? Bon, alors ça, c'est normalement, parce que moi, j'ai appris mes cartes du Symbolon, c'est Gold de Marie, Pêche Marie, ça, normalement. Hein. C'est la femme riche et la femme pauvre. C'est aussi éventuellement les questions de rivalité. Donc, c'est quoi? Bah, c'est la classe française, voilà. Les très riches et les très pauvres, il n'y a plus de classe moyenne. Vous voyez? Et ça peut effectivement embrayer sur une révolution parce que parce qu'il faut une classe moyenne. Hein. D'accord. Donc on va dire en d'autres termes, appauvrissement de la population au détriment, ou plutôt en faveur, excusez-moi, en faveur des très riches. Hein. D'accord? Donc une cassure dans la population. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur la Chine? Bon, ben voilà. Eh bien, moi, je vous ai toujours dit qu'à mon avis, il y a une ingérence Chine-Chine en France. Je suis sûre, hein. D'abord parce que ça sortait dans mes cartes, et ensuite parce que j'ai regardé l'émission avec Sylvie Charles. Alors, elle est parfois difficile à suivre, je dois dire, cette dame. Elle est très, très intelligente. Mais justement, parfois, il faut s'accrocher. Il faut réécouter plusieurs fois les émissions de géopolitique parce que elle a fait un travail tellement, tellement détaillé, tellement complexe, que quand elle commence à exposer tout ce qu'elle a trouvé, sur la corruption, hein. Il faut la suivre. Et elle disait, pour vous résumer, qu'il y avait bien une ingérence, voilà, des Chin-Chin dans les institutions françaises. Et vous voyez ici, eh bien, il y a bien effectivement une dépendance. Ouais. Ouais. Et je suis sûre que c'est eux aussi, ce sont eux, pardon, qui rajoutent. Ah là là, excusez-moi. Je suis sûre aussi que ce sont eux qui rachètent les entreprises. Ou qui vont racheter les entreprises françaises, ça m'étonnerait pas. Bon, ok. Alors au milieu, évidemment au milieu. Alors au milieu, évasion fiscale avec le grand amour. Ça c'est le couple. Oui, alors, ça m'inspire rien, mais c'est le jardin d'Éden quand même. Ça m'inspire le jardin d'Éden. Alors le jardin d'Éden par association de pensée, n'est-ce pas? Ça me fait penser aux paradis fiscaux. Eh ben le paradis, bah oui, je vous dis, moi je fonctionne comme ça, hein, donc il faut suivre. Voilà. Donc évasion fiscale et ben paradis fiscaux, voilà. Adam et Ève. On va pas épiloguer sur qui sont ces deux-là. Je pense que ça parle d'un peu tous ces gens-là. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur les sondages? Oh, bah alors là, on a peur des sondages, on fuit. Alors, ça veut dire que la popularité, elle est en. Voilà. Elle est vraiment enterrée, hein, morte et enterrée, la popularité. Là, ouais. Là, c'est foutu. C'est aussi la peur. Hein. Quelque part, il y a une peur. Alors, peut-être bien d'ailleurs la peur de celui qui est toujours en place, là, vous voyez. Parce qu'encore une fois, les sondages, ils descendent en chute libre. Il y a peut-être une peur au niveau de la chute de la popularité. C'est bien possible, et vous remarquerez d'ailleurs que c'est pas très loin de la révolution. Hein. Et au milieu, comme c'est bizarre, on a ces gens-là. Je vous lis quand même ce qui est marqué sur la carte. Hein. Alors, danger, perversion, perfidie, Satanas. Ce sont bien les gens qui sont au pouvoir. Moi, j'ai sorti les cartes comme ça. Alors, l'arme recourir après. On va regarder ici ce qu'on a sur Mimi, la tempérance. Alors, elle, il y a une protection. Hein. Ah, bah ouais, la tempérance ou la protection. Hein. Un ange gardien. Bah ouais. Vous voyez, j'étais en train de parler de Amandine et de Natacha. Moi, ça sortira pas. Hein. Pas en France. Pas en France. Parce qu'il y a un ange gardien. Enfin, il y a une protection, quoi. Bon. Ok. Alors, on va recouvrir, évidemment. Alors, celle-ci. Celle-ci, et puis évidemment l'armée. Eh oui. Propriété privée, je ne sais pas si je vais recouvrir.
Ah, alors ça va vous plaire. Ah, oh, bah oui, quand même. Allez, une bonne nouvelle. C'est le bureau de l'Élysée, c'est marqué, hein. Moi, j'invente rien. Eh bien, regardez la carte qui lui va. Voilà, il va faire une bêtise, pour rester poli. Et il est trop confiant, le gars. Il se croit tout permis, il se croit à l'abri de tout danger. Mais j'ai une imprudence, là, vous voyez. Il regarde vers le ciel, il regarde son destin dans les étoiles, parce que monsieur s'estime être l'élu, n'est-ce pas? Mais à force de regarder vers le haut, eh bien, il devrait mieux regarder où il met les pieds. Et là, il va se casser la figure. C'est les cartes qui me le disent. Ici, qu'est-ce qu'on a sur les Satanas? Alors, ce sont des mauvais perdants, parce que je connais le conte de fées. Hein. Je ne pourrais pas vous dire le nom de ce personnage, il est très compliqué. Hein. Mais c'est un mauvais perdant, pardon, qui est très en colère, qui veut tout détruire parce qu'il a perdu. Donc ces deux cartes-là ensemble vont vous plaire, puisque je parle des Satanas. Voilà. Les fous d'ailleurs, arc-en-ciel, hein, un petit clin d'œil entre nous, qui sont très très en colère parce que là, ils sont en train de perdre. Bah oui, vous avez vu la vidéo que je vous ai faite sur Puff Daddy, là. Alors, sachez que je n'avais rien regardé concernant ce monsieur. Hein. J'ai juste lu l'article du journal. J'ai pas été regarder autre chose au moment où je vous ai fait les cartes. Après avoir fait le tirage, et puis après avoir lu nos commentaires, j'ai été regarder un peu de ci, de là. Et apparemment, oui, il y a des histoires d'enfants. Mais j'ai pas fini de tout regarder. Donc, vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il se dévoile de plus en plus, quoi. Bien, alors. Évidemment, la plus importante, je pense que sur l'armée, le tribunal. Ah oui, alors là, il y a quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose. C'est quoi cette histoire, là? J'ai un tribunal, une accusation et l'armée. On parle bien de la France, quand même. C'est curieux. Alors là, franchement, je suis super étonnée des cartes que je suis en train de sortir. Attendez, on va aller explorer ça parce que là, c'est quand même fort de café. Hein. On va aller remettre des cartes de mon oracle. Voilà. Ça m'étonnait quand même que l'armée mette en accusation quelqu'un quand même. Et ça fait 7 ans qu'il bouge pas. Alors je sais pas, moi. Mais j'ai une accusation. Ou alors on accuse de nous en de, ah pardon, je vais y arriver. On accuse qui vous savez de nous emmener vers la guerre. Ah, ça c'est pour ça que j'ai besoin de mon oracle. Il y a quelque chose, hein. Mais en fait, vous savez qu'ils sont fous, hein. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais ce sont des fous, hein. Parce que vous avez entendu parler que l'Union européenne est d'accord pour que Zélie utilise les missiles. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dise, mais qu'il les envoie même à l'intérieur des terres russes. Vous avez entendu ça quand même. Donc là, c'est la déclaration de guerre. Hein. Si Zélie le fait, là, on est mal. Hein. Ah ouais, il y a vraiment une étape qui a été franchie. Ce sont des fous. Et évidemment, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de consultation de la population. Ils décident là dans leur coin. Mais il ne faut pas qu'ils comptent sur nous pour envoyer nos gosses au casse-pipe. Hein. Non mais oh. Mais ce sont des fous. Donc éventuellement, ça peut être ça. Une accusation de vouloir justement faire la guerre. On va regarder. Attendez, est-ce que je vais pouvoir faire de la place? Je suis obligée de faire ça pour que vous puissiez continuer à avoir les cartes. Bon, la propriété privée, je pars recouvrir si vous voulez quand même. Allez, c'est bien pour vous. Mais bon, pour moi, ils ont acheté des trucs. Hein. Ils ont acheté des propriétés, à moins qu'ils les aient vendues au Chin-Chin, je pense. Ouais, vous voyez, voilà. La dépendance et la soumission à Satan. Voilà, vous avez le diable ici, vous voyez? On est vraiment pieds et poings liés. Hein. Ouais. C'est aussi le désespoir par rapport éventuellement au propriétaire. Hein. Oui, alors j'étais censée faire le tirage de la semaine. Hein. Vous allez me dire, bah, m'a dit pour la semaine prochaine, ça fait beaucoup d'informations. Ouais, je sais. Je suis désolée, je sais, mais il y a un truc avec la Chine et les propriétés privées, l'évasion fiscale, les gens qui veulent se débarrasser de qui vous savez, l'autre qui va faire une grosse con-con, comme Sean, hein, vous voyez, James Bond. Et
et les satanas qui sont de plus en plus dévoilés. Par contre, Brimich est protégé. Bon, allez, on y va. Bon, alors comment je vais faire pour avoir tout mon paquet, moi? Je ne vais pas arriver à l'avoir. Ah, je vais faire, attendez. Je vais étaler une partie à droite. Moi, ça m'embête parce que je voudrais que vous voyez que je prends les cartes, quoi. Vous voyez? On va être dans la transparence la plus totale. Voilà. Donc, je vais les mettre comme ça. Voilà. Que vous puissiez voir que je les prends devant vous, quoi. Hein? Bon, et l'autre côté aussi. Bon, je vais me débrouiller comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Sur l'escroquerie. Qu'est-ce qu'on a sur l'armée? Parce que quand même, l'armée, il y a des trucs qui bougent. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la révolution, évidemment? Ah, j'en veux une par là. Et qu'est-ce qu'on a sur celui-là, là, qui va faire une imprudence? Mais c'est peut-être ça, c'est parce que c'est peut-être parce qu'il veut envoyer, enfin, il veut nous envoyer vers la guerre, son imprudence. Je sais pas, hein. Il y a quand même un truc. Hein. Alors, on va regarder la révolution. Bon, ben, c'est en train d'être consolidé, là. Il y a vraiment une opposition qui, enfin, est en train de se dessiner. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a bien une cassure dans la population entre les très riches et les très pauvres. Il n'y a plus de classe moyenne. Oui, je sais, vous ne voyez pas. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'être consolidé, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a sur l'autre fou, là? Alors là, on a une île déserte. Alors, soit il est parti en voyage... Ou soit... soit je ne sais pas. Pourquoi j'ai l'île déserte? Attends, on va aller regarder par là. Oups. Oui, il va faire une erreur. Hein. Ah ouais, il va faire une erreur. Mais je ne sais pas, j'ai une île déserte. Bon, on va garder l'île déserte en tête. En tout cas, cette carte-là correspond avec celle-ci. Où là, vous voyez, ces deux cartes ont la même signification. On fait une grosse James Bond, Sean, de son prénom. D'accord? Il y a un truc. Mais bon, pourquoi j'ai le désert? Je sais pas. Aucune idée. Bon, qu'est-ce qu'on a au milieu? Les ballots. Ah ouais. Eh ben, d'accord. Mais ça sent le conflit d'intérêts, ça. Ben, je sais pas. Mais bon, moi, j'ai envie de dire. Hein, escroquerie, ballot, voilà. Se référer à, comme je dis toujours, il y a 3 ans. Voilà, voilà. Des gens qui ont certainement reçu plein de sous-sous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur l'armée? Bon, il y a des dégâts, hein. Ah, il y a quelque chose. Ah ouais, il y a quelque chose la semaine prochaine. Il y a péril, hein. Péril en la demeure, là. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, hein? Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je tente ma chance avec un autre jeu. Ouais, alors, on va. Je sais que vous connaissez bien mon oracle, donc on va le mettre un peu de côté. Donc, finalement, eh ben, ça bouge. Voilà, on va avoir certainement des informations sur une évasion fiscale, des conflits d'intérêts. Enfin, il y a quelque chose là quand même. Hein. Les satanas. Du coup, je n'ai pas regardé les satanas. Ah, attendez. Bon, je vais reprendre qu'un paquet. Hein. Allez, hop. La mort. Ah tiens, ça c'est. Alors là, c'est étonnant. Alors, des décès. Des décès. Et j'ai des satanas ici. Donc, ce sont soit des décès en relation avec ces gens-là. Ou soit ces gens-là, il y en a certains qui vont passer, voilà, l'arme à gauche. Hein. Bon. Ok. Alors, on va essayer de voir, peut-être avec le Aurora. Donc, on va pas tout recouvrir pour pas trop se perdre, si vous êtes d'accord. On va laisser Brimich de côté. Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge pour lui. Les histoires de propriété avec la Chine-Chine, bon, bah, je vous ai expliqué, hein. Il y a des trucs qui se passent en sous-main, là. On risque d'être sous la dépendance de la Chine-Chine. Voilà. Qui doivent, à mon avis, racheter à tout va les entreprises françaises, les commerces, l'immobilier, enfin, vous voyez. Les biens privés, voilà, c'est ça, les biens privés. Ce qui conduit à une situation quand même comme ceci, hein, vous voyez. On est sous la coupe des satanas. D'ailleurs, vous remarquez que les satanas, ils sont là, ils sont là. Et en mettant en perspective ça avec l'évasion fiscale, on peut aussi penser qu'il y a des gens qui ont acheté des biens lointains, dans le lointain, avec les sous des Français. On va... alors, on va pousser l'histoire de sondage, c'est moins intéressant. L'escroquerie, bon, on a compris. Hein.
On va garder peut-être juste celui-là, là, l'Élysée, là, qui va faire une erreur, apparemment. Ça me semble intéressant. Et puis l'histoire d'armée, si vous voulez bien. Les Satanas, bon, d'accord. Et puis éventuellement les révolutions. Alors, ça devrait sortir tout ça la semaine prochaine, ça m'étonnerait quand même. On va dire, je sais pas moi, dans les prochaines semaines, hein, d'accord. Bon. Ah, vous avez un reflet là. On va enlever ça alors. Bon. Ok, je me concentre. Bon, alors, monsieur bureau de l'Élysée, qu'est-ce qu'il va faire là? Parce qu'il va faire un truc, hein, je ne vais pas dire, mais enfin. Il va faire un truc. Oui, enfin bref, vous avez compris quoi. Alors, la sorcellerie, le malheur. Il y a un truc, hein. Ah, vous voyez, j'ai que des mauvaises cartes sur lui. Ouais. C'est amusant parce qu'en plus, regardez, vous avez la poupée vaudou, là, pardon. Et donc, il est vraiment dans les trucs glauques, quoi. Mais ça veut dire aussi qu'il y a le retour de bâton, hein, toujours, hein. Défense, protection. Alors, il est possible qu'il doive. Qui doit être, comment dire, qui va être obligé de se mettre quelque part sous protection. J'ai un truc comme ça, moi. Voilà. Il va être obligé de se protéger. Vous voyez, ici. Parce qu'il va faire un truc qu'il faut pas. J'espère que je me fais comprendre, moi. Bon. Alors, évidemment, le plus important, c'est l'armée, quand même, hein. Je la sors pas si souvent. Une progression. Bon, il y a une escalade. Hein. Ah ouais, il y a une escalade. Hein. C'est la carte de la progression, donc c'est l'escalade, quoi. Escalier, escalade. Une escalade, vous avez compris. Avec des contacts ou des rendez-vous, des tête-à-tête, oui, on s'en a compris. Alors, quelque chose qui ne fonctionne plus concernant un problème du passé, oui. On va essayer de voir un petit peu pourquoi j'ai un dégât, là. Qu'est-ce qui va se passer? La convoitise ou l'ambition. Bon, il y a un truc qui va se passer, hein. Vous voyez, le désir d'aller toujours trop loin, toujours plus haut. Ça va nous retomber dessus, moi je pense. On verra bien si c'est la semaine prochaine ou si c'est en octobre. Moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt octobre, au vu des aspects astro. Étant donné que ça brûle, le torchon brûle avec l'UE et puis la RURU, hein. Il va falloir regarder quand même de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la révolution? Bon, pour l'instant, séduction. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, je pense, que ça séduit de plus en plus, éventuellement. Oui. Par rapport à tout ce qui est perverti dans notre pays, quoi, vous voyez? Pour se débarrasser de tout ce qui est mauvais et perverti. D'ailleurs, c'est juste à côté de cette carte-là. Ouais, parce qu'il y a trop de souffrance et de violence. Bon, alors, on va dire que la semaine prochaine, il faut vraiment regarder du côté de l'occupant de l'Élysée, hein, on va dire ça comme ça, qui peut faire une erreur, une grosse connerie, enfin bref. Et là, il y a éventuellement presque une mise au repos, une mise à l'écart, en tout cas la nécessité, vous voyez, de se protéger. J'ai un truc comme ça. Alors, c'est peut-être pas la semaine prochaine. Moi, je ne suis pas aussi douée que Wendy. Mais ça peut être quand même d'ici le mois d'octobre. D'accord? Ici, on a des gens qui sont de plus en plus séduits par de faire la révolution parce qu'ils en ont ras le pompon. D'accord? Là, il y a des gens qui sont en train d'y travailler. Hein. Notamment du fait de la cassure dans la population française. Là, on a vraiment quelque chose par rapport à l'armée. Ça escalade pour des questions d'ambition. On n'arrive pas à arrêter. Vous voyez les corbeaux noirs d'ailleurs, hein, vous savez ce que c'est les corbeaux noirs? Ben c'est illumi, plus loin nati, hein. Et là, il y a quand même des dégâts. Bon. Alors au niveau politique, j'ai pas sorti les trucs du budget, j'ai sorti l'évasion fiscale. Je sais qu'il faut que le budget passe d'ici la semaine prochaine. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va pas passer? Ben, je peux demander si vous voulez. Il a trouvé quelqu'un pour Bercy. Hein. Ah, j'ai une carte du Béline qui s'était glissée dedans. Attendez, on va l'enlever. Tiens, j'ai la carte du hasard. Bon, il y a des événements extérieurs qui arrivent. Hein. D'accord. Alors. Le budget passera-t-il?
On va voir. Bon, ils y travaillent, mais avec beaucoup de mal, hein. Ouais. Va faire un tirage en 4. Ah, oh, ben j'ai encore une carte du Béline. Ah, ben justement, j'ai pas bien trié. Bon, je me suis passé avec du Béline aujourd'hui, donc c'est pas grave. Alors, le budget serait-il voté? Voilà. Bon, ben tout va mal. Là, c'est vraiment les histoires de. Vous arrivez à voir, ouais. Vous devriez avoir assez de lumière. Ouais. Les histoires de. Ben tout, voilà. La France est malade. Voilà. Il n'y a plus de sous. Le 9 d'épée, c'est très mauvais. On est mal portant. Ok? Bon. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a eu des voleurs qui se sont servis et, vous voyez, qui se sont servis sur le champ de bataille. Alors là, on peut aller extrapoler cette carte-là dans beaucoup de directions. Hein. Par exemple, qui se sont servis sur le champ de bataille, on peut penser aux Z. Pour Zélie, par exemple, qui effectivement s'est servi allègrement dans les caisses. D'ailleurs, il y a encore 35 milliards qui vont être débloqués pour lui. Moi, ça me rend. Mais, vraiment furax, je pense que vous aussi, et au détriment des pauvres jeunes Ukres qui ont été envoyés au champ de bataille et qui sont morts. J'ai entendu le chiffre de 400 000. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et voyez, ce gars-là, bah, il s'est servi. Voilà. Donc, il a non seulement vidé les caisses des États européens, il s'est enrichi, mais en plus, eh bien, il y a des gens qui sont morts. Hein? Donc, cette carte-là s'explique très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, c'est pas gagné, hein, le budget. Hein. Non, mauvaise nouvelle. Ah, bah, c'est la carte de la mauvaise nouvelle, là. Il n'y a qu'une signification. Là, c'est pas gagné du tout. Hein. Ah, non, non. 8 d'épée, bah, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là me dit qu'il y aurait quand même possiblement des solutions. Si on voulait bien enlever le bandeau des yeux et défaire ces liens qui sont assez lâches, comme vous pouvez le voir. Mais ils n'auront pas comment dire, la sagesse et l'honnêteté de prendre les bonnes décisions qui seraient de déjà de virer tous ceux qui vont à la buvette à 14 de l'après-midi, ou dans, vous savez, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, hein, ces gens qui ne servent à rien et qui s'engraissent sur les frais sur le dos des contribuables, pardon. Il y aurait du nettoyage à faire, hein, mais plein de choses à faire. Mais ils ne le feront pas. D'où mauvaise nouvelle. Donc ça passe pas. Non, ça ne passe pas. Bon, alors du coup, ça va aboutir à quoi, je ne sais pas, mais c'est mauvaise nouvelle. Ben voilà, ils cherchent, voyez, ils cherchent, mais où allons-nous trouver les sous? Où allons-nous trouver les sous? Bon, il y a quand même la dame là, avec son panier. Il y a quand même de l'argent qui va être récolté. Ah, il y a le petit écureuil. Attention à votre épargne. C'est-à-dire. Où est-ce qu'ils vont aller trouver les sous? Parce que dans un premier temps, ça passe pas. Donc là, ensuite, il y a réflexion. Ouais, mais réflexion, mais pendu. Hein. Donc réflexion pour aller trouver des sous. Éventuellement, une piste serait l'épargne. Mais c'est pendu. Donc, c'est pour l'instant, c'est bof. C'est suspendu, quoi. Voilà, comme la carte. C'est pendu et suspendu. Bon, et que va faire la Commission européenne, alors? Là, ça, c'est la Commission européenne, oui. Effectivement, 10 de coupe. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La lune. Ben, pour l'instant, c'est assez mouvant. Moi, j'ai avec la lune, j'ai. Vous voyez, j'ai pas la force. Alors, ça, c'est Madame Ursula. La lune, la force. Elle va intervenir, elle. Elle va intervenir de façon autoritaire. Et qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport au budget alors? La pauvreté. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport au budget? Et j'ai la pauvreté, ben elle va appauvrir les peuples. Ben voilà. Bon. Donc vous avez toutes les pistes possibles. Hein. Appauvrir les peuples, c'est appauvrir les peuples. Hein. Voilà. Prendre les sous dans les poches des gens. Voilà. Bon, c'était le tirage de la semaine prochaine, on va dire direction le mois d'octobre, parce qu'on peut pas faire des prévisions au jour le jour. Je le fais uniquement en astrologie, j'ai une méthode pour ça, et ce qui marche bien d'ailleurs. Par exemple, quand vous avez un déplacement à faire tel jour, telle heure à peu près, hein, ou un événement spécial, là on peut voir pour une journée effectivement ce qui va arriver.
Mais sur une semaine, c'est un peu compliqué quand même, hein. Mais moi, je vous ai dit qu'à partir, c'est plutôt à partir de octobre que je vois que les choses risquent vraiment de déraper. Donc moi, j'aurais tendance à dire que mon tirage, il donne un petit peu la tendance vers octobre. Voilà, ben écoutez, je vous referai d'autres vidéos. Je vais peut-être regarder d'ailleurs, ouais, peut-être vous en faire une toute petite là. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.